Bonjour, bonjour. J'espère vous trouver aujourd'hui en pleine forme et je suis heureuse à nouveau de venir vous partager la pensée à méditer. Aujourd'hui, nous allons parler d'un cœur orné. Isaïe 54, 11 et 12 nous dit « Malheureuse, battue de la tempête et que nul ne console. Voici, je garnirai tes pierres d'antimoine et je te donnerai des fondements de saphir. Je ferai tes créneaux de rubis, tes portes d'escarboucle et toute ton enceinte de pierres précieuses. » Quel magnifique verset, vous ne trouvez pas? Une promesse merveilleuse. Combien d'entre nous sommes battus par la tempête, qu'elle soit extérieure à nous ou à l'intérieur de notre cœur? Cette tempête cherche à nous briser, à nous démolir complètement. Et il semble que les personnes qui ne vivent pas cette tempête ne prennent aucun cas de ce que nous traversons. Pourtant, Dieu sait, et il est la solution pour notre vie. Il désire garnir notre maison. Mais comment interpréter ce texte? Il y aurait beaucoup à dire, mais aujourd'hui, voici ce que je désire vous partager. Malgré la tempête qui fait rage en nous ou autour de nous, nous avons accès H24 à notre Dieu, là où nous pouvons être restaurés, mais aussi comblés. Imaginez un instant une maison remplie de pierres précieuses du sol au plafond, de la porte d'entrée à celle du jardin. Rubis, escarboucles, saphir, antimoine, pierres précieuses, le diamant en faisant partie. Quand la lumière est projetée sur cet environnement, waouh, que cela doit être magnifique! Dans la présence de Dieu, dans la méditation de sa parole, quand nous laissons le Saint-Esprit faire son œuvre en nous, c'est ce qu'il se passe, mes amis! Dieu remplit notre cœur de fondements que la tempête ne peut pas détruire. Dieu orne notre cœur, notre personne, de toutes ses richesses et lui donne tout son éclat, lui qui est la lumière de la vie. Ne te laisse plus vaincre par cette tempête, ne laisse plus ton cœur vide, mais approche-toi de ton Dieu et laisse-le te consoler maintenant. Laisse-le te visiter et orner ton cœur et brille, brille comme tout à nouveau. Je te dis à très bientôt. Bye bye.